comment ça. Quelle dramatique conclusion pour cet épisode de Dread Zone qui restera jamais dans les mémoires. Le capitaine Starshield, classé gladiateur numéro 1, a été terrassé par Ace Heartlight. C'est le 13e concurrent exterminé par Ace en saison régulière. Un appel du maire de Metropolis. Le... Oh, nouveau maire de Metropolis. Hein? Oui, bien sûr, oui. Une petite seconde. Bonjour, maire. Je... Non, non, ça c'est pas terrible, ça. Tiens, ça fait une paye. Non, alors... Il fait beau, Metropolis, chérie. Oh. Bonjour, capitaine. Je vois que tu prends soin de mon cher vaisseau. Oui. Il avait besoin d'un coup de jeune, mais maintenant ça va. Ça a l'air. Bref, j'apporte de bien mauvaises nouvelles. Tu sais que le capitaine Starshield a disparu depuis plus d'un mois. Je viens d'apprendre qu'il a été tué. Ah mon Dieu, non! Oh, et comment c'est arrivé? A priori, il participait à un sport de combat illégal. Ça s'appelle Dread Zone. Nous pensons que c'est cet homme le responsable. Gleeman Vox. Il dirige un empire médiatique clandestin depuis le secteur de l'ombre. Le secteur de l'ombre? Une contrée sauvage de l'espace, aux confins de la galaxie. Beaucoup d'autres héros ont disparu récemment, et nous craignons qu'ils aient subi le même sort. Ratchet, je voulais te prévenir avant que... Vaisseau non identifié en approche. Ah-ah. Êtes-vous le Lombax nommé Ratchet? C'est cela, oui. J'imagine que vous n'êtes pas là pour notre moteur tribord. Oui? Nous avons le sujet 209, Monsieur Vox. Excellent. Amenez-le. À vos ordres. Nous avons aussi deux importuns. Devons-nous les tuer? Mettez-leur des colliers et voyez si on peut les exploiter. Eh oh! Ça va là-dedans? Tu m'entends? T'es inconscient depuis des heures. Tu dois être un peu désorienté, non? Combien de doigts je te montre, là? On a une boucle d'asservissement dans la matrice du processeur visuel. Attends une seconde. C'est mieux? Ok, maintenant activons la fonction micro. Ah, sans remettre ce truc, espèce de sous-couche de blague dégénérée. Je peux à peine inspirer, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé la queue dans le... J'en dirais qu'il y a un problème avec les circuits de langage. Je verrai ça plus tard. Bon, bouge pas. Laisse-moi vérifier que j'ai bien raccordé le circuit de téléportation correctement. L'armure que tu portes est standard pour les nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents? On t'expliquera plus tard. Si tu ne réussis pas les qualifications dans le temps imparti, nous serons tous exterminés.